Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo tuto. Vous avez été nombreux à me demander un petit tuto. Et bien, je m'exécute puisque j'ai eu un petit coup de cœur pour une palette et pour ce maquillage dans les tons un petit peu verts. Je trouve que c'est raffiné. Alors, peut-être que ça peut être plus pour une soirée pour certaines. Moi, je le mets en journée. Mais après, c'est à vous de voir si c'est plutôt pour la soirée ou pour la journée. Je ne sais pas ce que vous allez en penser et j'ai hâte, hâte, hâte d'avoir vos retours en commentaire. Mais pour ma part, je suis super heureuse de m'amuser avec cette petite merveille que je vous montre toujours à l'envers. Donc la Sweet Peach de chez Too Faced que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et j'adore, j'adore, j'adore. J'ai réalisé 2 ou 3 make-up avec, enfin, on va dire que j'en ai réalisé pendant 2 semaines, mais je répète à peu près toujours les mêmes. Sachant que là, j'aime beaucoup faire des make-up dans les tons pêche, que vous avez sûrement vu dans mes dernières vidéos, je suis habillée en corail. Et là, j'avais envie de faire un petit make-up, ce qui fait un petit peu moins beau, je sais pas pourquoi. Mes envies étaient tournées plus vers le vert, ce qui est très rare chez moi, puisque j'utilise très rarement le vert. Et là, il y a un joli vert un peu métallisé dans la palette, qui s'appelle le Bless Earth, qui est en plein milieu en haut, là. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de faire un petit make-up avec, un truc un petit peu plus chargé. Et j'avais envie de vous faire un peu ce style-là sur ma chaîne, puisque je crois que je fais souvent des maquillages un peu nude. Je vous mettrai d'ailleurs mes vidéos tuto maquillage en barre d'infos. Je précise que je ne suis pas une pro, mais voilà, j'aime bien vous partager un petit peu ce que j'aime faire. Là, aujourd'hui, c'est une sorte de smoky vert, on va dire. Enfin, il est tout doux quand même, hein. J'espère que ça rendra bien en caméra, mais je trouve très très joli, portable au quotidien, que vous soyez habillé au vert ou pas du tout, hein, c'est vous qui voyez. Et j'ai beaucoup aimé le réaliser, j'espère que cette vidéo tuto vous plaira. J'ai juste oublié de vous parler de ma base à paupières que j'ai complètement oublié de filmer. Donc c'est celle-ci de chez Too Faced qui est la Shadow Insurance. Et pour toutes celles qui vont me demander, je préfère le dire maintenant, j'adore utiliser ces 4 pinceaux basiques mais qui coûtent rien du tout de chez ELF, sauf le quatrième en bas, le biseauté, qui est de chez Auriège. Sinon les 4 là, les 3 autres blancs sont de chez ELF et coûtent qu'un euro, je sais pas. Je les aime beaucoup, alors j'aimerais bien tester d'autres pinceaux un peu plus chers comme Zoeva etc, mais je les ai pas pour l'instant. Et ceux-là me plaisent très bien, donc pour l'instant c'est top. Et le duo que j'utilise, vous verrez dans ma vidéo, pour en duo de mascara, j'utilise en ce moment le Dior Show Maximizer. Donc ça fait plusieurs fois que je vous le montre en vidéo, qui est une base un peu sérum qui va donner du volume. Et en complément, j'utilise le Série Curl Jet Black de Arc-en-Ciel, qui est une abonnée qui me l'a envoyé. Et honnêtement, je l'aime beaucoup, mais je l'aime beaucoup en duo avec le Dior. Sinon tout seul, il n'est pas terrible. Mais ce duo là, j'aime beaucoup, c'est un peu mes chouchous du moment. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous plaira et je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas, si vous voulez d'autres tutos, soit avec cette palette, soit avec une autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit pouce en l'air. Je vous fais plein de bisous, à très très vite sur les réseaux.